Pour connaître toute l'actualité de la ville, du gouvernorat de Kinshasa, abonnez-vous à notre chaîne. Pour recevoir les notifications de toutes nos vidéos mises en ligne, appuyez sur la petite cloche à droite. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et ou partager. Des scènes de désolation à travers la ville. Après la pluie de vendredi et samedi dernier, le pied dans l'eau, la ville de Kinshasa est méconnaissable. Elle a perdu même certains de ses fils à la suite de cette catastrophe. Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas tardé à descendre lui-même sur terrain, dans plusieurs sites pour faire le constat. Lui qui est déterminé à donner une nouvelle parure à la capitale. Mais la tâche ne sera pas de tout repos. Nous sommes sur l'avenue Adama. La rivière de la Gombe avait débordé de son lit suite aux constructions anarchiques. Le gouverneur ne peut que constater l'étendue des dégâts. L'homme qu'on connaît souriant fronce le visage. Mais c'est dans le quartier Pakajuma où il verra encore pire. Ici, le pont qui relie deux rives a cédé à la pression des eaux des pluies. Des maisons ont même été emportées. La population est désemparée. Un peu plus loin, les immondices envahissent tous les caniveaux. Constat fait aussi sur Gaba. Mécontent, le gouverneur interpelle la population. Nous avons sillonné la ville. Nous avons constaté aussi, du côté du centre-ville, il y a des constructions anarchiques qui ont été faites sur les collecteurs, sur les égouts, sur les caniveaux. Nous sommes résolus d'ailleurs depuis hier à organiser une conférence sur la problématique des inondations dans notre ville. C'est-à-dire que nous devons arriver à prendre nos responsabilités à bras le corps. Pendant cette ronde de plus de 4 heures, le gouverneur a eu le temps de conscientiser la population, mais aussi de l'écouter. Doivent aussi prendre leurs responsabilités les auteurs des constructions anarchiques à la base des inondations fréquentes, mais aussi les services cadastraux. Et qui fait ? Dans la zone Tonga. Comment quatre votes ? On va photo au bout. Dans la Tonga, Awa. Pas possible ça. La question des inondations est même devenue une préoccupation d'État. Sous la houlette du président de la République, une conférence sera organisée sur la question par l'hôtel des villes, avec toutes les parties prenantes. La prise de conscience et les responsabilités de tous semblent être finalement
le remède à la problématique des inondations à travers la ville de Kinshasa.